Franchement, turbulent devant les élèves, studieux devant les profs. Expérience, expérience, parce que les diplômes, ça reste du papier. Goût de travail. Les deux, d'abord la culture, après le sport. Viking, la série, l'acteur principal, il a plus ou moins le même, je dirais pas le même parcours que moi, parce que je suis pas arrivé à ses, bon, à son degré de popularité. C'est un mannequin, j'adore son jeu, j'adore l'expression du regard, j'adore comment il joue. Je m'appelle Youssef Benhayoun, j'ai 27 ans, je suis italo-marocain et j'habite à Marrakech. Ma particularité, disons que je suis dans les sports de combat, je suis comédien et je suis mannequin aussi. J'ai la médaille d'or en 2012 en Jiu-Jitsu brésilien Nogi marocaine et tunisien. Mais disons que moi-même, j'étais pas conscient de mes capacités. À l'époque, en 2012, j'étais blanche et j'ai gagné une ceinture noire en finale de Nogi, donc c'était quand même quelque chose et bon, voilà, oui, j'en suis fier. Quand j'ai commencé avec le mannequinat. À partir de là, j'avais quelques photos professionnelles et j'ai commencé, on a commencé à me contacter. C'était des magazines, des séries de mode. J'ai commencé comme ça, c'était pas super bien payé, mais c'était une manière pour moi de me faire découvrir. Autant que film, hashtag code, c'est une série web qui a eu beaucoup de succès au Maroc. Les Mille et Nuits saison 1, saison 2, j'ai fait Allo Nabila, j'en suis pas très fier. Faire un casting, c'est comme The Voice, mais pour les comédiens au niveau arabe. Et sur une vidéo, je suis sur les 2 millions et demi de vues. Oui. Ce qui me rend différent, j'ai une mère italienne, super motivée. Et quand il faut taffer, bien sûr, je suis là, je taffe, je charbonne. Ah, je vais dire actif et perdu. Pas assez confiance en soi. Mobilisez-vous, montrez vos valeurs, montrez au monde de quoi vous êtes capable. Et je suis sûr qu'on a des talents partout dans le monde cachés. Enfin, je veux dire, si j'ai réussi un minimum, et ce que j'ai fait c'est vraiment un minimum, c'est rien du tout par rapport à ce que je voudrais faire. Tout le monde peut réussir, il y a plein de talents partout. Alors, croyez-vous et surtout lâchez pas la fin. Allez-y, foncez. Mais ne te jette pas dans. Yeah, yeah, say this time, mec.